discuter, faire beaucoup de bruit et parler. Qu'est-ce que ça peut nous apporter? Il y a dans le péché des lèvres un piège pernicieux qui nous éloigne de Dieu. Langue fausse est ton horreur, ô Seigneur. Celui qui veille sur sa bouche garde son cœur. Celui qui parle beaucoup ne manque pas de péché. C'est tout ce que ça peut nous apporter. Celui qui couvre une faute cherche l'amour et il est comblé. Mais celui qui la rappelle en parlant est un insensé. Parler trop légèrement fait du mal et blesse les gens et enlève la bénédiction. Mais on ne peut pas plaire à Jésus comme ça. Il faut savoir se taire si on veut recevoir beaucoup de Dieu. En parlant constamment, on l'a souvent présent. Et on se demande pourquoi que Jésus nous bénit pas. On peut changer et laisser Jésus nous parler. Il a beaucoup de choses à nous dire, il faut l'écouter. Quand Jésus dit un mot, les pécheurs sont pardonnés, les malades trouvent la santé. Prenons conscience de ce que Dieu nous a donné. Il veut qu'à travers nous, son saint nom soit glorifié. Nous sommes le sel de la terre et nous devons apporter de la saveur au monde entier. C'est comme ça que les gens reconnaîtront que nous sommes ses enfants. Si nous vivons pour Jésus pleinement, quand le cœur est rempli, ce que nous disons apporte la vie. En parlant ainsi, les gens seront bénis et le cœur de Jésus sera réjoui.